la mairie de Bordeaux. C'est une cabine téléphonique spécifique pour les sourds. Une personne sourde souhaite vous contacter. Je vais vous servir d'interprète, je vous passe monsieur. Voilà, j'aurais eu besoin d'avoir des informations par rapport à un voyage que j'aimerais faire au Libéria. David, sourd de naissance, a besoin de cette aide précieuse pour ses démarches administratives ou parfois prendre des rendez-vous chez le médecin. Ebola, voilà, je voulais avoir des informations. Est-ce qu'il faut que j'évite d'y aller ou est-ce que je peux me rendre dans ce pays? Je sers, oui, d'interprète entre justement des services comme des services administratifs et monsieur qui a besoin justement de communiquer avec ces personnes-là en direct et en langue des signes. En France, ils sont 400 000 à s'exprimer en langue des signes. Cette agence, implantée à Bordeaux, leur permet d'améliorer leur quotidien dans une société qui ne connaît souvent que le langage parlé. Grâce à ce service et à cette accessibilité, les entendants aussi pourront peut-être... on aura plus d'adaptation des deux côtés. Ça va être une accessibilité des deux côtés. Notre idée à nous, c'est de démontrer aux collectivités territoriales qu'il existe des besoins, que ces besoins sont forts. Et on souhaite donc déployer ce système aux côtés des collectivités territoriales, qu'elles s'en emparent et qu'enfin, il se passe quelque chose pour les sourds en Aquitaine. Avec cette cabine téléphonique d'un nouveau genre, les sourds bénéficieront davantage d'autonomie et d'une meilleure intégration dans la société française.